Bonjour. Bon, bien, bonjour tout le monde. Alors, oui, on est là encore. Je suis là pour vous. Ça me fait plaisir de pouvoir quand même communiquer les enseignements de la méditation à travers virtuel. Hein, c'est notre réalité présentement. Alors, donc, on va commencer immédiatement. Alors, j'aimerais ça qu'on fasse ensemble un Aum. Donc, on va inclure le Aum. Alors, tout le monde ensemble, inspire. Ce Aum est une vibration de haute fréquence. Donc, on profite de cette vibration. Et cette vibration, c'est pour accompagner notre chakra de la gorge. Donc, on commence pour 2 semaines à observer le chakra de la gorge. Et aussi, vous pouvez voir aussi pendant ces 2 semaines-là, il se peut qu'il arrive des choses dans votre vie qui soient reliées avec tout l'énergie qui a rapport avec la gorge. Et probablement que ça a été peut-être pour certains d'entre vous la même chose pour le cœur, le plexus, le hara et la racine. Alors aujourd'hui, je veux juste qu'on revise un petit peu les éléments dans lesquels on a travaillé, qu'on a baigné. Alors, pour le chakra de la racine, c'était la terre. Pour le chakra du hara, c'était l'eau. Et le chakra du plexus, le feu. Le chakra du cœur, c'était l'air. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit la semaine passée, le cœur, c'est une porte vers un autre type d'énergie qui nous habite. Une énergie beaucoup plus subtile, une énergie qui pourrait être plus comme spirituelle, si on veut, par rapport à terrestre. Donc, le chakra de la gorge, c'est l'élément terre, éther, donc un monde très subtil. Alors, tranquillement, je vais vous guider dans ce monde subtil. Maintenant, la gorge, c'est le lieu de notre expression de soi. Alors, soi, c'est notre être intégral. Donc, on prend conscience qu'on est un être matériel, mais là, on va prendre conscience qu'on est un être spirituel. Alors, le chakra de la gorge va nous permettre, c'est comme une volonté. C'est une volonté de s'exprimer. Et plus qu'on avance sur un chemin de croissance personnelle et spirituelle, c'est une volonté de vraiment vouloir exprimer notre vérité, vraiment qui nous sommes. Alors, on prend de plus en plus confiance avec notre expérience de vie et cette vérité veut vraiment s'exprimer et en rapport avec notre engagement avec soi-même, bien, on se doit de dire nos sentiments, nos désirs, nos choix, nos pensées, c'est ce que je pense, moi, c'est mon opinion, et être aussi dans la flexibilité de l'opinion de l'autre aussi. Alors, c'est vraiment s'exprimer, c'est quelque chose de grand, hein? Si on regarde l'évolution de l'être humain, il vient au monde, il
marche, qui est une étape importante, mais parler aussi a été une étape très, très importante. Et on est des êtres vivants, alors les seuls qui parlons, qui avons un langage élaboré. Et ce langage élaboré vient aussi des idées, vient des intuitions qu'on a. Alors, on dit souvent le verbe s'est fait chair. Donc, c'est aussi le chakra de la matérialisation. Donc, on va matérialiser dans notre vouloir ce qu'on pense. Okay? Donc, ça passe à travers le chakra en combinaison, qu'on pourrait dire, avec le hara. Donc, ces deux chakras-là ensemble vont permettre la matérialisation de nous. Alors, c'est un petit enseignement dans la direction vers laquelle on s'en va. Donc, la semaine prochaine, je compléterai avec d'autres enseignements. Alors, donc, on va faire une petite période de posture. Donc, on va travailler cette région-là qui part à partir à peu près scapulaire. Dans le fond, c'est toute la région scapulaire jusqu'aux oreilles. Okay? Alors, donc, ça... c'est le chakra de la gorge. Alors, on va commencer avec rotation de la... du cou. Non, j'aimerais commencer par rotation du bassin. OK, s'il vous plaît. Alors, rotation du bassin. Alors, pensez à pivot. Hein, lorsqu'on fait notre pivot, alors, on active l'énergie du bas et on la sent par notre respiration, on la sent qui monte tranquillement dans la colonne vertébrale à travers chaque chakra. OK. Inspire, expire de l'autre côté. On active l'énergie du bas jusqu'en haut. Et c'est bien. Maintenant, on va faire rotation du cou. Respire. Observe. Ferme les yeux. Et de l'autre côté. Donc, on énergise cette région-là au niveau physiologique, libération des tensions et un apport de sang plus actif dans cette région-là. Et c'est bien, inspire, expire, revient au centre. On pourrait faire un petit étirement aussi que j'aime bien. Alors, on penche la tête sur le côté. La main sur la tête, puis on étire, ça fait toujours du bien. Alors on sent toutes les attaches au niveau de l'épaule et jusqu'au niveau de l'occiput aussi. Inspire, expire, reviens au centre. Et de l'autre côté, on a la tête sur le côté, oreille vers l'épaule, la main sur la tête. Et on étire gentiment. Inspire, expire, reviens au centre. Maintenant, rotation des pas. Et de l'autre direction. Et on revient au centre. Maintenant, on va étirer ici là, toutes les rhomboïdes et tout ça. Donc, on penche le corps sur un côté et on va
étirer le bras. On va respirer. Et 3. On revient au centre. Inspire, expire. Donc de l'autre côté. Et on étire le bras latéral à la terre. Et on respire. Et on revient. On va faire une petite rotation. Inspire, expire. À droite. Une rotation vers la droite en gentiment. La tête vers l'épaule. Inspire, expire, reviens au centre. Inspire, expire, on tourne de l'autre côté. Commencer le scan corporel qui est un outil que je privilégie dans mes enseignements pour la méditation. Parce que, comme on l'a bien vu, hein, on est très incarné dans un corps et c'est vraiment à travers ce corps qu'on va retrouver l'autre essence de notre être, l'essence plus subtil, l'essence spirituelle. Donc, c'est important de s'installer dans ce cas. C'est un beau véhicule. On se sent confortable. Il faut se sentir confortable. Alors, vous êtes libre de vous allonger sur le dos ou d'être assise. Mais l'important, c'est d'être confortable. Et nous sommes installés. On est assis confortablement, le dos bien droit, les mains appuyées sur les genoux ou la posture de Savasana allongée. Et on initie cette respiration abdominale lente et profonde qui va nous emmener dans un état privilégié. Inspire. Expire, abdominal. Expire. 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 Maintenant, un petit peu moins intense. On est quand même au niveau abdominal. Continue à respirer. Le temps que le corps se dépose dans ici maintenant. On arrive chez soi, à l'intérieur de soi. On est en contact avec la respiration et le corps physique. Alors déjà, on sent une centration qui s'intègre avec la respiration. Laissez aller encore un peu plus cette respiration, un petit peu plus naturelle. Observez le mouvement de cette respiration dans votre corps. Localisez-le.
focaliser la respiration. Observez-la. Alors, on s'est installé dans l'espace du corps, mais j'aimerais, avant de faire le tour de notre corps physique, j'aimerais qu'on prenne contact avec notre environnement. C'est important. Ça fait partie de nos cinq sens. Alors, portez attention, toujours comme premier plan, deuxième plan. Donc, on va mettre en premier plan tous les sons qu'on peut capter avec nos oreilles, les bruits aussi, juste les identifier. Certains sont passagers, d'autres sont permanents. Alors, ils font partie de notre réalité extérieure. C'est une enveloppe que le corps peut capter. Et c'est sécurisant aussi, je vous le confirme. C'est bien. Maintenant, on va mettre tous ces sons, ces bruits en arrière-plan. On reprend contact avec notre respiration naturelle et on va faire le tour de notre corps. Alors, on peut réduire les parties du corps dans le sens de les nommer. On peut être plus général. Plus que vous êtes habitué à ce rituel, vous pouvez être plus général, mais aussi présent, aussi conscient. Alors, je prends contact avec mes deux pieds. Je respire dans mes deux pieds. J'habite mes deux pieds. Je lâche prise. Je respire calme. Je respire dans mes deux jambes. Je monte tranquillement avec la chaleur, avec l'énergie dans mes deux jambes. J'observe. Je libère des tensions. Je lâche prise. La chaleur, l'énergie est présente. Je suis calme et détendue. Je respire dans mes deux jambes. Je capte l'énergie de la terre. Je respire dans mon bassin. Des tensions se libèrent. J'observe. Je lâche prise. Et je prends contact avec l'énergie liquide, l'eau. Tous les liquides dans mon corps. Le sang, la lymphe, les liquides interstitiels. Je respire, je lâche prise. Je prends contact avec la région du plexus solaire. L'énergie feu, une énergie nécessaire à la digestion. Les organes, le dos, le devant, je lâche prise. L'énergie feu. Je prends contact avec le thorax, l'énergie air. La respiration, le cœur qui bat. J'observe, je
je me dépose, je lâche prise, je suis calme, j'habite cette région. L'air léger, je me sens léger. Je me sens libre aussi. Quand je respire, mon thorax gonfle. Quand j'expire, mon thorax s'abaisse. Je prends contact avec la prolongation aussi du thorax qui sont mes deux bras. Je prends contact avec les mains, les bras. Je respire. J'observe. Je lâche prise. Je sens une circulation. Énergie, la chaleur. Et la gorge, la nuque, les épaules, jusqu'aux oreilles. L'énergie éthère, l'énergie de la parole, l'énergie de la pensée. Je respire, j'observe, je lâche prise, je suis calme, j'habite cette région. Je prends contact avec la tête, les yeux, le front derrière la tête, la région du troisième œil, région de l'intuition, l'aspiration, la création, le lien. L'autre monde aussi. Je respire, j'observe, je lâche prise, je me détends, je suis calme. Et le dessus de la terre, le crâne, l'énergie lumière. Je respire, j'observe, je lâche prise, je suis calme. J'habite cette région. Je respire du coccyx à la tête, de la tête au coccyx. J'alimente les centres énergétiques de ma présence et eux m'alimentent aussi. Toujours en contact avec la respiration qui est notre lien avec notre corps physique et le lien avec nos corps spirituels. Vous pouvez déposer votre attention au niveau de la gorge. Voyez un fuseau de lumière bleue. La vibration bleue.
contact avec la réalité, notre réalité dans le lieu dans lequel nous sommes, dans l'état d'être dans lequel nous sommes présentement. Alors, vous pouvez bouger un peu, on va juste passer à un autre outil qui est très recommandé quand on travaille au niveau du chakra de la gorge, ce sont les mantras. Alors, chacun de vous avait sûrement expérimenté les mantras qui sont très prisés dans le monde du yoga. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec les voyelles, avec une mélodie qui me touche vraiment mon cœur. Alors, on va faire les voyelles. Donc, pour chaque chakra, on va commencer avec OU, après ça, O, E, A, U, I, ON. OK, alors, on va se laisser aller. Je vais faire le premier pour que vous compreniez la mélodie. OK? Alors, je vais commencer. Inspire.
Prenons le temps de bien capter la force du son. Ce sont des vibrations qui viennent se déposer dans chacun de nos chakras et peuvent être même porteurs de messages. Alors, on reste toujours très attentive à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous êtes toujours en contact avec votre respiration. Et votre part éthérique. On va poursuivre cette belle gradation, processus dans lequel on est engagé présentement. Alors, on va faire un Kapalabhati pour oxygéner les cellules. Donc, on se prépare. Deux respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire trois quarts. Et on commence. Inspire. Expire. Et nous allons faire une rétention de 60 secondes. Si c'est trop pour vous, vous avez jusqu'à expirer à votre rythme. Alors, on y va. Inspire. Et on retient pour 60 secondes. Relaxez les épaules, installez-vous bien dans votre sacrum, colonne très droite. On enlève les tensions dans le front, les sourcils, les mâchoires et on pénètre dans le silence profond du chakra de la gorge. Mais avant, je veux vous expliquer. Alors, nous allons passer maintenant avec Anuloma Viloma. Et j'aimerais qu'il y ait une progression, si c'est possible pour vous. Alors, on va commencer avec du 4-16-8.
4, inspire, retiens 16, expire 8. Et les deux derniers, j'aimerais bien qu'on expérimente le 5, 20, 10. Alors, donc, si vous êtes, vous sentez libre de le faire, vous le faites. OK? Alors, on va faire à peu près 5, 4, 16, 8. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vide, 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 vide. Les poumons bloquent la narine droite avec le pouce droit. Inspire 4 temps. 1, 2, 3, 4. Retiens 16. Expire 8 droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On utilise les abdos. Inspire 4. Retiens 16. Gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4. 1, 2, 3, 4. Retiens 16. Expire 8 droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4. 1, 2, 3, 4, retiens 16. Expire 8 gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire 4. 1, 2, 3, 4, retiens 16. Expire 8 droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4. 1, 2, 3, 4. Retiens 16. Expire 8 gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4. 1, 2, 3, 4, retiens 16. Alors, concentre, reste quand même présente à ton corps physique, sois relax, baisse un peu ton bras droit vers ton thorax. Expire 8 droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire 4. 1, 2, 3, 4, retiens 16. Expire 8 gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 4. 1, 2, 3, 4. Retiens 16. Concentre au troisième œil. Tranquillement, l'énergie change. Se transforme. Devient plus fluide. Expire 8 droite. 1, 8, inspire 4, 1, 2, 3, 4, retiens 16. Expire 8 gauche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, inspire 5, 1, 2, 3, 4, 5, retiens 20.
respire 10 droits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens 20. Expire 10, gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens 20. C'est notre dernier cycle. Expire 10 droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retiens 20. Expire 10 gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait 7 cycles. On a doublé notre concentration. On a augmenté notre taux vibratoire. On se rapproche de plus en plus vers la lumière. Le corps physique est à notre disponibilité. Il y a une unité qui se fait avec le monde éthéré et le monde matériel. Ils s'unissent. Travaillent ensemble, s'accompagnent. Si vous sentez le besoin de bouger, c'est maintenant. Je vous donne du temps, mais respirez dans chaque mouvement que vous allez faire pour pas que le mental soit activé. Bien, comme je vous ai dit, il y aurait une progression dans la méditation en silence. Alors, le chakra de la gorge est vraiment le moment d'aller dans ce silence. Donc, le chakra de la gorge nous invite
avive le silence intérieur. Donc, on est disponible, on est vraiment prête si on se prépare depuis quelque temps. Donc, aujourd'hui, on va commencer les 15 minutes. Alors, on va être 15 minutes en silence. Alors, ça a été progressif. Alors, vous êtes assise confortablement, le dos bien droit, les mains déposées sur vos jambes, vos cuisses, vos genoux. Et vous êtes toujours en contact avec cette respiration. Cette respiration qui porte la vie. J'inspire. La vie, j'expire la vie. Trois grandes respirations pour alléger le corps physique encore une fois. Je me dépose, j'arrive, je mets toute activité cérébrale, je mets tout ça sur pause. C'est un moment privilégié de silence avec soi-même. Et déjà le chemin est tracé. Alors observez cette respiration qui est votre guide. Si elle devient agitée, c'est parce que votre mental prend le dessus. Reprenez contrôle de la respiration, reprenez contrôle du mental, laissez passer. Et revenez dans ce silence, dans cette demeure, dans ce refuge intérieur. Alors, je vous laisse aller.
bouger un peu, dénouer nos articulations, nos muscles. Alors pour ce beau voyage intérieur en silence qu'on vient de faire ensemble, on s'est sentis unis, j'ai pensé à chacun de vous. Bien, nous allons faire trois ohms. Inspire. Remercier ce temps qu'on a pris, cet espace, et aussi être dans la gratitude de notre journée. Et une pensée particulière pour la situation que l'on vit présentement, toute la planète. Ce sont toutes nos petites millions de petites lumières que l'on peut envoyer dans l'univers. C'est notre contribution. Alors, des fois, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations de catastrophe. Bien sûr, la première chose qui me vient en tête, c'est de redonner toute l'abondance qui est dans notre cœur, de redonner dans l'amour, dans cette énergie, cette vibration, cette lumière. Amen. Alors, je vous souhaite une belle semaine. On va se retrouver encore la semaine prochaine dans ce monde virtuel qui fait quand même objet d'une réalité aussi. Alors, donc, profitons-en quand ça se présente pour nous, comptons-nous chanceuses. Alors, bonne semaine. Namasté. Namasté.